Je suis avec Yesri Fati aujourd'hui. Donc c'est le fondateur et l'initiateur du projet Dar Yasmine. Exactement. C'est Yasmine. Yasmine, c'est le centre d'art Yasmine. Yasmine, c'est Alger. Yasmine, c'est la galerie ici. Donc il va nous en parler tout de suite. En 2017, j'ai été invité chez mon beau-frère ici à Oran. Et j'ai vu cette villa abandonnée. Et je me dis, pourquoi pas cette villa pour concrétiser. Aujourd'hui, cette villa qui était abandonnée, aujourd'hui, c'est un centre d'art. Donc, c'est un espace d'exposition d'artistes et d'artisans. Mais c'est apparemment, d'après ce que vous avez expliqué, c'est aussi une résidence artistique. C'est un lieu de création, d'apprentissage d'art aussi. Exactement. On va dire un lieu de rencontre déjà. C'est un lieu de rencontre pour les sept arts. Pour un peu définir le mot centre d'art. Et le centre d'art Yasmine, il a aussi une résidence d'artistes qu'on peut recevoir jusqu'à 16, 17, 18 personnes à l'aise. Et on a des ateliers aussi pour les gens qui viennent pour une résidence d'artistes tout simplement. Et on a commencé par cette première partie dédiée à l'art aussi, des espaces galeries, concept store, musique. Et à partir du 2 avril, on va commencer les ateliers. Tout art confondu, la musique classique, la danse, le théâtre, l'audiovisuel, l'art culinaire, la mode et tout ce que ça suit dans ce beau domaine. On commence par le petit vernissage qu'on a inauguré le vendredi 19 mars, cette date symbolique qui représente un peu les accords des lions et les noces aussi. On a invité une armada d'artistes dans plusieurs disciplines. Les artisans étaient en force ici et il y a d'autres espaces réservés à d'autres activités comme les arts plastiques, le design et on a invité quelques éditeurs qui ont un ouvrage d'art et aussi des photographes qui exposent et on a donné la chance aussi à des gens des artisans de qualité, des artisans d'art qui sont venus de Togourt et de Rdaya et de Mset pour embellir un peu. C'est excellent, c'est très très beau. Voilà. C'est très beau. Akina, à l'esprit, tu as le lieu. 30 années de service au service de l'art et de la culture et c'est un aboutissement de mon travail et un peu la jalousie. De ce beau pays, l'Algérie, que j'aime, que j'adore. Un excellent projet, je vous souhaite beaucoup de chance. Merci. Merci à vous. Yeah, you have to be able to live around the idea, you know.